Dans la vidéo, ça, nous allons pour nous qui cycle menstruel là. Nous allons prendre ça nous pour nous bien expliquer. Afin que tout le monde qui regarde la vidéo, ça, va arriver bien comprendre. Ni. Et surtout pour Fio, pour qu'il arrive bien comprendre ni, et bien maîtriser. Et puis tout, nous allons voir qu'il est un fille qui a fait bagay, qui a entré dans la relation sexuelle pour le cas enceinte. Et qu'il est tout, qui a fait bagay pour pas enceinte sans même besoin de protéger tête. Éducation sexuelle, si on a bagay nou manke nan société pa nou. C'est pour ça n'après un pile ti moun ap tombe enceinte à 15 ans, à 16 ans et parfois même pi ba même. Parents yo pa fait formation pour ti moun yo. Parents yo pa fait éducation sexuelle pour ti moun yo. Or, éducation sexuelle, si on a élément fondamental pour un parent ka bien élevé yon ti moun. Et parfois même parent sa même pas gen aucune formation. Li pa même connaît sa éducation sexuelle là. Nan ka sa, ça le pral di ti moun nan mes amis. Problème. C'est pour ça ou même k'ap gade vidéo ça, n'ap encourager ou. Partagez. Partagez bal fami, bal zami, bal moun ki était bon côté ou. Et ou même k'ap gade vidéo ça ki pou ko abonné, n'ap encourager ou tout. Pour abonner et pour activer cloche notification hein, pour pas perdre aucune vidéo. Cycle menstruel là, c'est une série de changements que corps féminin a expérimenté chaque mois pour une préparation de une grossesse. Pour féminin capable de tomber enceinte. Cycle menstruel là divisé en trois phases. Nous avons une première phase là qui c'est phase menstruelle ou bien nous capable de dire règle. Moi pense que nous déjà connaissons ça déjà. C'est là que fille a gain sang, phase ça durer 4 ou bien 5 jours. Jour que fille en premier ou règle ou bien ou sang, jour ça considéré comme premier jour dans cycle menstruel. Notez ça bien. Deuxième phase là qui c'est phase proliférative ou folliculaire. Phase ça commence les règles fini et les fini les ovulations pour commencer, c'est-à-dire il entre règles et ovulation. Nous connaissons que ovulation c'est les ovules lui-même les libérer, les prend la ripoli. Maintenant ces ovules là les rencontrer ensemble avec spermatozoïdes garçon qui pour cause que fille a tombé enceinte. Et nous avons une troisième phase là qui c'est dernière phase là qui c'est phase sécrétoire ou bien nous capable dire lutéale commencer ensemble avec ovulation et arriver jusqu'à ce que y ait l'autre règle pour commencer avec dire l'un pour le règle. Combien de jours le cycle menstruel a duré? Dieu moi, le cycle menstruel c'est 28 jours. Mais ça arrive, il varie. Ça veut dire qu'il y a plus gros ou bien plus bas. Tout dépend de fil. Il y a des filles qui a duré 21 jours, il y a des filles qui a duré 25 jours, il y a des filles qui a duré 28 jours. Tout dépend de fil. Et comme ça, tout le cas plus. Il y a des filles même qui ont un cycle menstruel qui n'est pas régulier. Moi, ça, le cycle menstruel qui a duré 21 jours. Moi, qui a venu, il a duré 25 jours. Et l'autre mois, il a duré 30 jours, par exemple. Maintenant, qui est un fille qui entre dans la relation sexuelle pour le 47 et qui est qui entre dans la relation sexuelle pour le 47. Premièrement, on apprend qui est un fille qui a fait bagay pour le 47. Pour le tomber enceinte, il faut que ça relie ovulation. Ovulation, on a déjà parlé de lui-même dans le commencement de la vidéo. Et c'est les ovules là lui-même les libérer. Ces ovules là, les rencontrer ensemble avec spermatozoïdes là capable permettre que fille a tombé enceinte. Comme règle générale, durant 30 ou bien 40 ans que fille a bien réglé, chaque mois, il y a un ovule mature qui a libéré. L'ovule ça lui-même, il est prêt pour fécondation. Depuis spermatozoïde la rencontre ensemble avec lui, fille a tombé enceinte. Mais pas oublier, dans toute règle, il y a une exception. Ça qui arrive, il y a des mois, il y a plus que un ovule qui libéré. Comme ça tout, ça qui arrive, il y a des mois qui pas un ovule qui libéré. Donc, nous déjà connaît depuis pas un ovule qui libéré, fille a pas tombé enceinte. Mais ça ce sont des exceptions, ce sont des variations normales. Ovulation en fait 14 jours avant l'autre règle pour commencer. Ça veut dire les filles après elle il fait 14 jours avant ça. Par exemple, si le cycle menstruel fait a duré 28 jours, ovulation a fait 14e jour. Parce que c'est 14 jours avant l'autre règle pour commencer. S'il dure 30 jours, ovulation a fait 16e jour. S'il dure 25 jours, par exemple, ovulation a fait 11e jour. Pas oublier que c'est 14 jours avant l'autre règle pour commencer. Nous espérons que nous bien comprenons ça, Mabdi nous là. Maintenant, qui est exactement que fille a tombé enceinte? Jour où fille a tombé enceinte là, il pas en pile, OK? C'est 3 jours ou bien 5 jours avant ovulation et pas plus que 1 jour après ovulation. Par exemple, si cycle menstruel fille a duré 28 jours, nous déjà connaît 14e jour là ovulation en fait. Donc, depuis sorti dans 9e jour là, arrivé dans 15e jour là, depuis fille a rentré dans relation sexuelle là, jour ça, il y a toute possibilité pour tomber enceinte. N'a prend deux exemples encore. Si cycle menstruel fille a duré 30 jours, nous déjà connaît ovulation
ovulation a fait 16e jour là parce que c'est 14 jours avant yon l'autre commencé. Maintenant, depuis sorti dans 11e jour là, rivé dans 17e jour là, depuis fille rentre dans relation sexuelle, il y a toute possibilité pour tomber enceinte. Un dernier exemple, si cycle menstruel fille dure 25 jours, nous déjà connaît ovulation a fait dans 11e jour là. Donc, depuis sorti dans 6e jour là, rivé dans 12e jour là, depuis fille rentre dans relation sexuelle, il y a toute possibilité pour tomber enceinte. Maintenant, il est une fille qui a entré dans une relation sexuelle, qui a fait bagaille pour y pas enceinte, sans même besoin de protéger tête. Nous pourrons bien détailler le cycle menstruel là pour nous arriver bien comprendre et pour nous connaître qu'il est une fille qui a fait bagaille pour y pas enceinte, sans même besoin de protéger tête. Une bagaille nous pas oublier, jour qui considéré comme premier jour dans le cycle menstruel là, c'est jour il a premier ouais règle, premier ouais sang. Par exemple, une fille qui a un cycle menstruel de 28 jours. Ensemble pour nous tendre ça m'a dit pour nous arriver bien comprendre. Et si gè yon bagay nous pas comprendre ou bien nous pas arriver bien comprendre ou bien nous ta gè yon question, nous capable toujours faire ça dans commentaire là et nous même nous là au service de nous-mêmes pour nous capable répondre à inquiétude nous. Fille gè yon cycle menstruel de 28 jours. Nous déjà connait règle li même li durer 4 ou bien 5 jours. On nous prend par exemple règle durer 5 jours. OK? Maintenant, depuis sorti dans 6e jour là, rivé dans 8e jour là, fille libre pour le faire bagay, pour rentrer dans relation sexuelle sans inquiétude. Li pas tomber à partir de 9e jour l'arrivé dans 16e jour là depuis fille entre dans relation sexuelle il y a toute possibilité pour tomber enceinte. Nous mettez 16e jour là c'est juste pas moyen de précaution. Oublier nous te dire il en cas tomber enceinte un jour après ovulation et un jour qui est égal à 24 heures. C'est pour ça nous mettez 16e jour là juste pas moyen de précaution. Maintenant à partir de 17e jour l'arrivé dans 28e jour là ou bien jusqu'à ce que il fille a gagné encore il libre pour faire bagarre. Li pa tombe enceinte, pa gen ken danger. Oubliez nous t'a parlé pour moun ki gen cycle menstruel de 28 jours. Maintenant pour moun ki gen cycle menstruel de 30 jours. 30 jours, par exemple, règle durée 5 jours. Si règle durée 5 jours, moun appelé pour faire bagay de 6e jour à 10e jour là. Li ka faire bagay sans inquiétude, li pa tombe enceinte. Et si règle durée 4 jours, moun appelé pour faire bagay de 5e jour là à 10e jour là. Li pa tombe enceinte. Maintenant, à partir de 11e jour là à 18e jour là, il y a toute possibilité pour moun sa enceinte s'il rentre dans relation sexuelle. Et à partir de 19e jour là à 30e jour là ou bien jusqu'à ce que yon l'autre commencé moun nan libre pour le faire bagay sans inquiétude, li pa tombe enceinte. N'ap pran yon dernier exemple. Si cycle menstruel fille l'an duré 25 jours, par exemple, règle l'an duré 4 jours et 5e jour là, fille ap libre pour le faire bagay et fille sa bon 16 jours ka faire bagay. Après règle, parce que de 6e jour là à 13e jour là depuis fille rentre dans relation sexuelle, il y a toute possibilité pour l'enceinte. Maintenant, de 14e jour là à 25e jour là, fille libre pour le faire bagaille. Ça veut dire il ca faire bagaille sans inquiétude, il pas tomber enceinte. 14e jour là à 25e jour là ou bien de 14e jour là jusqu'à ce qu'il gagne règle encore. Mon connaît une fille qui ca dit ou pas comprendre puisque exemple on prend différent de jour cycle menstruel yo. Nous pas besoin inquiéter nous, c'est toujours même bagaille yo. Depuis nous t'es bien écouté ça me t'ai dit yo, c'est toujours même formule yo puisque formule même bagaille yo, ce sont des formules générales qui fonctionnaient pour toute journée. Quel que soit jour cycle menstruel ou ta durée de pour appliquer formule c'est toujours même bagaille. Donc prends sans nous pour nous bien tendre samedi pour nous capable bien comprendre. Pour ça tout nous capable garder vidéo à plusieurs fois pour nous arriver bien comprendre. Si nous gain question, inquiétude, yon bagaille nous pas bien comprendre, nous capable écrire ça dans commentaire là ou bien ou capable écrire nous dans email nous qui trouvez dans description. Ça qui est plus important, c'est connaître combien de jours le cycle menstruel dure. Nous déjà connaît le premier jour du cycle menstruel, c'est le premier règle, le premier sang. Et le dernier jour, ou bien le cycle menstruel a fini, c'est le que vous pouvez gagner règle encore. Merci à vous-même qui regardez la vidéo. C'est là que nous arrivons pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas perdre aucune vidéo. Si vous aimez la vidéo, like et ne soyez pas égoïste. Acquérez des bonnes nouvelles pour vous-même seul. Partagez le bal. Famille, zamion et mon crédit Bola Kayou. C'était avec nous, Docteur RP. Bagaille de base.